Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne et que j'espère fortement qu'il va vous plaire. Aujourd'hui on va faire un what I ate in a day ou un truc comme ça, genre ce que je mange dans la journée, ce que j'ai dans mon assiette. En gros, on va parler de nourriture aujourd'hui. Donc je vais préciser 2-3 petites choses avant. Alors je ne mange pas de poisson parce que je suis allergique. Enfin, poisson ou tout ce qui vient de la mer, je ne mange pas, je suis allergique. Je ne mange pas de viande quand je me fais à manger, en général, parce que je déteste voir la viande crue. Ça me dégoûte et je ne peux pas la toucher, donc si c'est pas possible, je ne peux pas faire de la viande moi-même. Mais je mange quand même de la viande, genre au restaurant, quand ma mère fait à manger, ou par exemple dans un chili, il y a de la viande et du coup, bah, je vais la manger. Mais sinon, je ne peux pas cuisiner moi-même de la viande, je ne supporte pas ça. Et j'aime pas particulièrement la viande non plus. Voilà, donc je mange des steaks de soja, des émincés de soja, machin et tout. Parce que j'aime bien et que ça me procure la protéine que je n'ai pas en mangeant pas de viande. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Donc, non, je ne suis pas végane, donc je mange de la viande comme je ne mange pas de viande. Enfin, il m'arrive d'en manger, mais je préfère moi-même me faire des plats à base de soja. Donc voilà, ça au moins c'est précisé, donc voilà. Donc dans une journée je peux très bien manger de la viande et du soja, ça me gêne pas du tout, j'arrive à les digérer très bien tous les deux. Donc voilà. Ensuite, c'est pas du tout une vidéo diététique, hein, mais pas du tout, parce que ce que je mange c'est pas du tout diététique. J'adore les légumes, tout ça, mais voilà, pas diététique. Mais c'était juste pour vous montrer un peu ce que je mange et j'aimerais bien en fait introduire dans ma chaîne un peu plus de vidéos qui parlent de nourriture, donc vous montrer les choses que j'aime manger ou les choses que j'aime me cuisiner ou même des plats faciles à faire quand on n'a pas trop le temps et tout, parce que j'aime cuisiner mais je prends pas vraiment le temps de vraiment bien cuisiner. Bien cuisiné, pardon. Du coup, voilà, je veux juste incorporer un peu ça dans ma chaîne, des vidéos nourriture où je vous montre voilà, ce que je mange dans la journée ou des astuces pour des plats faciles à faire ou quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Mettez plein de thumbs up si vous aimez parler nourriture avec moi. Voilà. Non mais en fait, plus facile, mettez des thumbs up si vous aimez la nourriture. Ce sera plus simple. Comme ça j'en aurai plein. N'hésitez pas à vous abonner aussi. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Pour le petit déjeuner je fais très simple. En général c'est soit un thé, soit un verre de jus de fruits. Donc là c'était un thé à la vanille. J'ai pris aussi une compote histoire d'avoir un peu de fruits. Et des petits biscuits, mais ça varie tous les jours. Pour le déjeuner, j'aime faire des tortillas aux émincés de soja. Donc je vais avoir besoin de tortillas, d'émincés de soja, d'emmental râpé, de crème fraîche et de sauce salsa. Après, bien évidemment, vous mettez ce que vous voulez dans vos tortillas. Moi, c'est ce que je fais et ça marche hyper bien, c'est hyper bon. En premier temps, dans une poêle bien chaude avec un petit peu de matière grasse, je vais venir faire cuire mes émincés de soja. Donc moi je les aime bien bien cuites, donc je les laisse 5 voire 7 minutes. Ensuite je viens préparer ma tortilla, donc je la passe 30 secondes au micro-ondes parce que j'aime bien qu'elle soit un petit peu chaude. Et ensuite j'ai plus qu'à la faire, donc je vais mettre de la crème fraîche, ma salsa ensuite et mon emmental râpé et enfin la viande. Donc une fois que mes émincés de soja sont placés, je viens fermer ma tortilla. Donc je la ferme d'abord vers le bas et ensuite je rabats les côtés et comme ça elle tient parfaitement. Je la mets dans l'autre sens, comme ça c'est encore mieux.
Et du coup, j'ai pu me faire deux tortillas et ça me suffit amplement pour le déjeuner. Je mange ça avec un bon grand verre d'eau et c'est nickel. Donc pour le soir, c'était chili. Donc j'ai fait des spaghettis parce que moi je préfère mon chili avec des spaghettis et ma mère le préfère avec du riz. Donc voilà, rien de plus simple. Hein. Vous savez faire des pâtes et du riz. Et ensuite pour le chili, j'ai juste ouvert la boîte de conserve, mis ça dans une casserole et hop, à chauffer et c'est fini. Après vous pouvez rajouter ce que vous voulez, des épices ou du fromage râpé, n'importe quoi, c'est à votre guise.